encore matin, je vous ai abandonné. Je vous ai abandonné avec le fait que... On a accepté l'offre sur la maison. Fait que notre maison est vendue. C'est-tu pas merveilleux, sérieux? Ça n'a pas de bon sens, je capote. Ouais, je m'excuse, on a pris des bulles. Puis les bulles m'ont monté au cerveau. Hier, j'étais maganée. J'ai eu mal en tête toute la journée, j'ai pas filmé. Fait que c'est ça, notre maison est officiellement, ben pas officiellement vendue, mais est vendue. On a accepté l'offre. Il reste l'inspection. Jeudi. Mais ça part. Fait que je vais préparer les gars pour l'école, puis on se reparle un petit peu plus tard. Encore une fois, comme je vous ai dit, tantôt, donc il est rendu 8h30, puis là j'ai eu du coaching épicure ce matin avec Josiane, ça a vraiment bien été, hier j'en ai eu avec une directrice, arrête Oscar, oui, ben gars, je vais te faire une toast, là va, t'es encore dans la bouffe, oh, mais je t'en ai dit 42, donc Oscar vient juste de partir avec le taxi. Là, ce que je vais faire, c'est leur petit sac surprise de Saint-Valentin. Philibert est couché. Puis là, ben, j'ai pas d'autres choses à faire. L'année passée, je leur avais acheté des cartes. J'ai même pas eu le temps de leur donner. Fait que là, c'est ça que je vais faire. C'est ça. Que je vais faire, j'avais acheté des cartes. Bisous et câlins. Combien as-tu de façons de rendre ta vie amusante? Brillant, drôle, débrouillard, futé. Du grand cœur, grand sourire, grand rêve, grand fun. Pour toi, avec amour. Fait que je vais leur écrire un petit mot là-dedans. Puis je leur ai acheté plein de petites affaires aussi. J'avais acheté chez Dollarama une nappe. J'achète tout à main. ça par rapport là-dedans. Des petits bonbons comme ça ici. Je vais tout leur préparer ça. Je vais vous montrer ça. Je vais leur mettre ça dans un petit sac comme ça. Ben, normal. J'ai acheté des petits suçons comme ça ici. Un comme ça pour Ophélie. Puis le reste, c'est toutes des petites grenouilles vertes. Philibert va en avoir aussi. J'ai acheté des cocos Kinder comme ça. J'en ai acheté 4. J'ai acheté ça pour un bain lumineux. Je leur ai acheté des petits Ferrero Rocher, des suçons, puis comme je vous ai dit ça, puis une petite boîte de chocolat comme ça. Fait que c'est bien simple, là. C'est bien rien d'extraordinaire, mais ça va leur faire plaisir, c'est très certain. Fait que c'est ça le but, c'est de leur faire plaisir. Je vais aller leur porter ça dans leur petite chambre. Donc je leur en mets un de chaque, là, à peu près. J'ai de recevoir une petite commande épicure. Ça fait donc bien, genre des belles boîtes pour en déménager. Ça fait longtemps que je voulais me le commander. J'ai reçu le bouillon miso. Ensuite de ça, ranch. Elle est vraiment bonne. C'est vraiment une bonne trempette. Bouillon réconfortant. Je me suis commandé la spatule 3 en 1, comme ceci. Je suis vraiment contente. Et aussi une belle plaque de cuisson. J'ai vraiment hâte de voir s'ils sont autant de qualité que celles que mon frère m'a vendues.
J'ai vraiment, vraiment hâte de voir ça. Elles sont vraiment belles. Elles sont la même grosseur en plus. Fait que ça va vraiment être pratique. Je n'avais pas de cette grosseur. Ben, elles sont la même grosseur, mais je n'avais pas de épicure. Fait que j'ai hâte d'essayer. C'est ce que j'ai reçu aujourd'hui. Je fais un petit peu de montage pendant qu'Oscar est au jardin. C'est vraiment tranquille, c'est relax. Ça fait tellement du bien. Seigneur, j'en profite parce que c'est trop rare. Oh, pardon. Fait que je vous souhaite une belle après-midi. On s'en parle plus tard. Samedi matin tout le monde, il est déjà 10h26, on est parti depuis 8h45 de chez nous? À peu près 9h05, on avait une autre visite, malgré le fait qu'on ait une offre d'accepter sur notre maison, les gens voulaient venir quand même visiter. Donc c'était de 10h à 11h à peu près, fait que nous on a fait notre ménage matin, j'étais allée porter les enfants chez ma mère, puis là, je fais des livraisons pendant ce temps-là, épicure. Donc, j'étais à la Jonquière. J'allais me chercher un café. Puis là, on est à la Terrière. Fait que j'étais venue livrer à mon amie Annie. Puis là, on se promène dans le quartier où est-ce que l'école des enfants Enzo et Marcus va être. Parce que c'est ça, c'est pas loin. Puis en même temps, ben, on va aller se virer à notre maison. Hein? Oui! Fait que c'est ça. Mais oui, on a, avant de rester, c'était petite. Je pense que c'est elle. C'est elle. C'est elle, je pense. Ouais, je pense que c'est elle. Ouais. Ouais, on avait déjà visité des maisons ici avant de rester à Chicoutimi-Nord où est-ce qu'on est. Fait que ça date pas d'hier là, qu'on veut s'en venir ici à la Terrière. C'est juste qu'il y avait juste pas de maison pour nous dans ce temps-là, à ce moment-là. Mais là, la parfaite pour nous est arrivée. Fait que on a été. On regardait dans le bon moment. Hein? On regardait vraiment dans le bon moment parce que tu sais, on a toujours aimé ça, regarder des maisons, même quand on a toujours regardé des maisons pour le fun de même. Puis là, ben, ça a donné qu'on avait spoté une maison. Finalement, il y avait déjà une offre, fait qu'on l'a pas visitée. Puis on a comme continué de regarder un peu pour voir juste de même. Puis on est tombé sur notre maison qu'on va acheter. En fait, c'est quasiment vendu. Il reste pas grand chose. C'est pas qu'il reste, que la nôtre elle soit officiellement vendue dans le fond. Fait que c'est ça. On va aller se virer là-bas. Je vais vous montrer plus en détail. Vous l'avez quasiment pas vu la dernière fois dans mon vlog. Fait que je vais vous la montrer plus. Mais ça va être juste de l'extérieur, évidemment. Puis, pas tant que ça. Non, non, on va pas sur le terrain. Sur le terrain là, on va juste passer devant. Là. C'est dans un rond-point. Fait que... On est de retour à la maison. Je suis arrêtée chez Super C faire quelques petites commissions. Je vais vous montrer ça vite. Dans le fond, j'ai acheté des petites cochonneries pour ce soir. Oups, j'ai acheté des chips comme ça. Des assaisonnés comme ça. Des ringolos. J'ai acheté aussi des fruits, ça valait la peine. Oui, attends un petit peu. J'ai acheté un paquet de kiwis. Marcus, il adore ça. Des bananes. Faut que je fasse un pain aux bananes d'ailleurs, j'en ai plein à passer. Des avocats. Des raisins rouges, deux paquets comme ça, parce qu'il est en spécial, ça valait la peine. Puis ça se mange, ils sont pas gros en plus, fait que... Voilà ici, deux petits paquets. Des clémentines. Je vais en donner aux garçons, d'ailleurs. Deux petites clémentines. Des croquettes. Les crevettes en spécial, j'en ai acheté deux paquets. J'ai acheté aussi trois paquets de biscuits tradition comme ça. Les enfants aiment ça. Ma mère en avait l'autre fois, puis ils ont full mangé ça. Et des whippets au caramel, ça avait trop l'air bon. C'est rare que j'achète des biscuits. Mais là, je trouvais que ça avait vraiment l'air bon. Donc, voilà pour les achats. Il y a vraiment du stock à passer.
des bananes beaucoup. Fait que là, je vais faire des muffins à personnaliser. Je fais la recette de Marie-Lou de 3 fois par jour. Fait que c'est la première fois que je la fais. Je vais essayer ça. Mais moi, j'utilise du sucre de coco pour à la place de la cassonade. C'est ça que je vais faire. Mais c'est parfait. J'ai fait des gros muffins aussi. Fait que ça m'en a donné 6 gros, 12 petits. J'ai été crinquée. J'ai fait des wonton pour une soupe wonton. Là, je sais pas ce que j'ai là. Excusez-moi. Là, de la poudre de wonton. Excusez. Puis j'ai fait aussi une batch de bortan. Puis vous avez été. Quelques-uns m'ont demandé c'était quoi ma recette de bortan la dernière fois. Et je vais vous la donner. Donc prenez ça en note. C'est une tasse de sirop d'érable, 3 bananes écrasées, une demi-tasse de beurre ou de margarine, 3 tasses de gruau, des noix de Grenoble hachées au goût, donc une poignée de graines de tournesol ou d'amandes hachées et filées, des raisins secs ou autres fruits séchés. Moi, j'ai mis des raisins secs, j'ai mis des noix de Grenoble, j'ai mis des canneberges séchées et des chipites de chocolat. Donc, vraiment là, à l'œil, plus mes 3 tasses de gruau. On fait. Ouais, je sais, maman, elle n'a pas enlevé encore, elle n'a pas peigné. Préchauffer le four à 375. On fait fondre à feu moyen le beurre et le sirop d'érable ensemble. On ajoute les bananes et les raisins secs. On ajoute tous les autres ingrédients. On met dans un plat de Pyrex et on fait cuire au four 15 minutes. Donc, c'est ça ma recette de bartende que j'aime vraiment. Ça fait des années que je fais celle-là. Ça fait genre plus que 5 ans. Ça fait 7 ans. Ça fait vraiment longtemps. Fait que là, je suis en train de faire cuire mes wonton dans le bouillon de poulet que j'avais fait avec mes carcasses de poulet. Puis j'ai rajouté à ça le bouillon miso. 2 grosses cuillères à soupe de bouillon miso dedans. Fait que j'ai hâte de voir si ça va être bon. Sûrement. Je les fais cuire 5 minutes. Je les retire. Je vais faire, tu sais, puis après ça, je vais comme les refaire cuire après, là, un autre 5 minutes, une fois que tous vont être cuits. Salut, salut! Il est rendu
2h48 avec tout ça. Puis, on a une activité spéciale après-midi. On s'en va avec Ophélie. Se faire percer le septum. Fait que ça fait vraiment longtemps qu'elle avait le goût de se faire percer le nez. Mais ça sera pas un petit bout d'oreille dans le nez là, là. Non, non, non. Ça va être le septum. Elle veut pas que je filme, mais je vais filmer un peu, mais pas pendant. Tu sais, juste avant, puis après, genre. On s'en va chez Addict Tattoo. C'est sur la rue Racine. C'est la maman de son amie Eva qui va lui faire son perçage. Fait que c'est vraiment cool. Hein? Ouais. Elle est stressée un peu. Mais tu sais, ça va durer 30 secondes. La douleur, après ça, ça va être fini. Là. Ça va bien aller. J'aime pas ça, moi, on va filmer. Il faut garder des souvenirs de tout ça. Oui, là. Je pense qu'on en a assez un gros. Là. Je vais l'avoir, je vais le tenir. Dans, ça va l'avoir dans le nez pendant longtemps. Ça va une coupe de jours. T'es belle. Merci. Super bien été. Elle a bien fait ça. Elle a eu peur un peu, là, mais. Ouais. T'as pas senti l'aiguille passer. Hein. Non, c'est la pince qui fait mal. Ouais, la pince. Okay. Attends que les bijoux. Fait que c'est ça, c'est fait. Un beau petit bijou de nez. Ça va, là c'est sûr qu'il va falloir que ça guérisse. Là. Ouais. Que c'est 6 à 8 semaines de guérison. Pas supposé de mettre de crème, juste un peu de nettoyage. Fait que de l'entretien de perçage normal. De retour à la maison. Il est 4h40. Je me suis servi une petite coupe de vin. Là. La soupe wonton, c'est ce qui reste. Elle est vraiment bonne. Là, j'avais fait du saumon cette semaine pour dîner aux enfants que je récupère, je vais faire, puis il me restait 2 croûtes à pizza. Fait que c'est ça que je fais. Je vais faire une pizza au saumon. Il me restait des légumes aussi. Fait que j'ai fait comme une béchamel. Puis là-dedans, j'ai ajouté le reste de mon sachet soupe hivernale aux champignons. Donc, ça va faire comme une genre de béchamel aux champignons avec des légumes, puis le saumon. Je vais mettre ça sur mes pizzas. Gratiné au four, ça va être délicieux! Donc, ça va faire un repas de plus. C'est vraiment bon pour vrai, les pizzas au saumon. C'est vraiment, vraiment bon. Puis après ça, ben, ça va être pas mal tout. Là. Les enfants, ils ont mangé toute la journée des cochonneries. Fait que je sais même pas s'ils vont souper, sincèrement. Fait que je leur fais pas grand-chose. Pour l'instant, je leur fais rien. Genre, ils ont pas faim. Ils mangent juste des petits chocolats et tout. Donc, c'est ça. Que c'est ça là-dessus, je vais vous souhaiter une belle soirée, puis je vais vous reparler très très bientôt. Bye tout le monde!